Salut les amis et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'avez vu sur les titres, on va vous dire les verbes être et avoir au futur simple. Vous vous rappelez que je vous ai appris les verbes être, avoir au présent indicatif, les verbes être, avoir au passé composé et maintenant c'est les verbes être et avoir au futur simple. J'espère que ce sera facile pour vous. Et comme toujours, n'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification et aussi partager ces vidéos. Maintenant, nous pouvons commencer cette vidéo. Mais tout d'abord, nous allons aller un peu pour voir les pronoms personnels du sujet, hein, n'est-ce pas? Allez, on y va. Trixie, tu veux bien me citer tous les pronoms personnels du sujet? Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Très bien, Trixie. Et vous aussi, on peut en gros leur réciter ensemble. Allez, on y va. Je, tu, il, elle, nous, vous, il et elle. Bien joué, les amis, bien joué. Je vois que vous vous rappelez. Il n'y a pas grand chose à parler ici. Maintenant, passons vite vite au verbe avoir au futur simple. Les amis, pour conjuguer le verbe avoir au futur simple, nous aurons besoin d'abord du sujet au, or, or, qui s'écrit comme ça. Tu vois bien, ici? Oui. Et après, nous allons ajouter les terminaisons. Mais nous allons voir les terminaisons après avoir conjugué le verbe avoir au futur simple. Trixie, comme tu le vois, on peut le conjuguer ensemble. Et vous aussi. Toi, tu vas d'abord voir, et vous aussi, vous allez voir, et après, on va les réciter encore ensemble quand vous tous vous avez déjà vu comment lui parler. Allez, on commence. J'aurai, tu auras, il aura, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils auront et elles auront. Bravo à moi. Allez, on y va ensemble. Même toi et même Trixie. 1, 2, 3, on y va. J'aurai, tu y auras, il aura, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils auront et elles auront. Très bien vous tous, bravo. Je vois que vous connaissez très bien. Maintenant passons aux terminaisons. Vous avez très bien vu. Comme je vous ai dit les terminaisons. Donc je vous ai dit d'abord qu'on aurait besoin de or, or, comme ça. Et maintenant la terminaison de G. C'est AI. Et tu connais déjà écrire et conjuguer. C'est AI. Pour tu, c'est AS. AS. Ça, c'est au futur simple. Hein? AS. Pour il et elle, c'est A. Facile, on apprend d'abord ça. O, or, et puis après, tu ajoutes AI pour G. Tu, A, or, et puis tu ajoutes AS. Il et elle. Or, et après tu ajoutes A. Facile, n'est-ce pas, Tuxi? Oui. Maintenant, pour nous. Nous saurons. Nous aurons. Regardez bien comment nous aurons s'écrit. Ok, donc, on continue. Vous avez vu déjà comment ça s'écrit, oui? Alors, quand vous l'avez vu comment déjà ça s'écrit, dites-moi les terminaisons de nous. Très bien. C'est O. S. O. Pour vous, regardez comment ça s'écrit et vous me lisez les terminaisons. Très bien, c'est E, Z. Et pour il et elle au pluriel, c'est. Mais très bien, comme vous le voyez, c'est O, N, T. Facile, on va voir. G, A, I, T, A, S. Il et elle au singulier, A. Nous, O, N, S. Vous et Z. Il et elle au pluriel, O-N-T. Maintenant, passons au verbe être au futur simple. Et donc, les amis, maintenant, commençons le verbe être au futur simple. Aussi là, donc, nous allons voir. Et j'espère que ce sera facile. Et aussi, n'oubliez pas, on va voir les terminaisons. Trixie, elle va un peu nous aider dans ça, n'est-ce pas? Pour le verbe être aussi, les terminaisons sont les mêmes, comme pour le verbe avoir. Et maintenant, on peut conjuguer. Maintenant, ce que tu vas utiliser, c'est serre. Serre.
Et puis après, tu ajoutes des terminaisons. Ou tu conjugues. Facile comme boire de l'eau, n'est-ce pas? Allez, on y va. Je serai. Tu seras. Il sera. Elle sera. Nous serons. Vous serez. Ils seront et elles seront. Facile. Terminaison. A-I, A-S, A-O-N-S et Z-O-N-T. C'est facile comme boire de l'eau. N'est-ce pas ça, Trixie? Oui. Très facile. Et maintenant, tu peux te donner des exemples toi-même. J'ai envie de dire à Trixie que demain, je vais aller à l'école. Demain, j'irai à l'école. Mais on n'a pas envie de ça, mais on va voir. Et donc, je serai à l'école. Trixie, tu savais que aujourd'hui, à 20h, je serai à la maison? Exemple. Ou bien, quel est le nom? Je peux prendre comme. Quel nom? Altine. Tu veux dire ça? Altine, tu savais très bien que demain j'aurai un nouveau vélo? Altine, tu savais que demain j'aurai mon 8e anniversaire? Je serai une adulte. Facile comme boire de l'eau. Maintenant, comme nous avons fini, passons à un petit résumé pour que nous finissions avec le verbe être, avoir dans tous les temps. Mais en fait, il y a beaucoup de temps, comme l'imparfait, le futur intérieur, mais tout ça, nous en reparlons après, n'est-ce pas ça? Nous allons faire un petit résumé. Pour le verbe avoir au futur, on peut le réciter ensemble? On y va. Avoir, hein? J'aurai, tu auras, il aura, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils auront et elles auront. Maintenant, au verbe être au futur simple, on peut encore les rester ensemble. 1, 2, 3, on y va. Je serai, tu seras, il sera, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront et elles seront. Très bien, vous vous rappelez. Voilà tout ce qu'on avait pour vous dans cette vidéo. Et comme toujours, n'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche des notifications et aussi partager mes vidéos. Au revoir les amis, à la fois prochaine. Nous sommes trop impatientes de vous revoir pour vous enseigner une nouvelle chose.